pour une place au troisième tour des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018. Bocuf, les envies de départ du sélectionneur des Fenech. Bref, c'est une période pas simple là pour la sélection. Compétition confondue. De 10 buts au total hein, sur le crochet extérieur pour finalement servir côté droit. Riyad Mahrez qui va rentrer dans la surface de réparation, le joueur de Leicester. On parlait de joueur qui a pris de l'envergure cette saison, évidemment. Lui, c'est la perte de balle tanzanienne. Récupération Riyad Mahrez. Sur les grands gabarits algériens, parce qu'il y a de la taille avec Belfodi et Slimani. Tous les deux tournons autour du 1m90. Une frappe qui est passée au ras du montant droit d'Emboli. Nouvelle occasion pour les Tanzaniens. On se demande hein, comment la sensation. Non. Et Mahrez dans la surface de réparation. Ce sera un qui est entré sur le pré. Sur un nouveau déboulé, cette fois côté droit. C'était signé Thomas Soyimwengu, un des grands bonhommes côté tanzanien de la première période. Le retour illicite là avec le mur tanzanien et Mahrez qui va frapper juste au-dessus des buts. Voilà, belle remise de Mahrez. En tout cas, on sent une réaction des Fenech hein, dans cette seconde période. Pour l'instant, mis à part le coup franc de Mahrez, pas d'occasion véritable, mais dans le jeu c'est bien mieux. En tout cas, il y a des prémices. Mahrez, centre de Mahrez, ce sera récupéré. Une faute sur Mahrez, coup franc obtenu par le joueur de Leicester. Guidura du ballon, Mahrez aussi, c'est Mahrez finalement qui va jouer, la remise de la tête mais la position de Slimani, fin de frappe et va donner ce ballon derrière. Allez, les joueurs tanzaniens sont revenus mais on conserve le coup. Riyad Mahrez, l'appel de Slimani, il est servi, hein, pas de position de hors-jeu encore une fois, Islam Slimani, bien voilà, le héros certainement de l'Algérie ce soir, deuxième fois de Riyad Mahrez, Slimani qui attend le bon moment, hop, et ouais, c'est derrière. C'est derrière que ça couvre, hein. C'est le numéro 4, c'est Kelvin Yondani. Non, c'est chaud. Riyad Mahrez. On voit certaines actions de la première période. Bref, allez, on va pas polémiquer, on va revenir sur Riyad Mahrez et la sélection algérienne à l'attaque là, tentative de petit pont. Parce qu'ils ont eu chaud aujourd'hui, les hommes de Christian Gourcuff menaient 2-0 jusqu'à la 71e minute.